Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point c'est facile d'utiliser un réfractomètre. Bonjour, ici Jean-Luc André de Révolution Fermentation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un réfractomètre pour mesurer le taux de sucre qui est dans un liquide, un kombucha, un kéfir, un cidre, whatever. Donc, c'est vraiment très très simple cet appareil-là. Ça mesure la réfraction d'un liquide, donc ça va sortir un résultat en brix, ce qui veut dire un pourcentage de sucre. Concrètement, il y a trois petits équipements à l'intérieur, en plus du manuel qui est caché en dessous. On a une petite pipette qui permet de placer le liquide sur le réfractomètre. Et on a un petit tournevis. Le petit tournevis sert à calibrer le réfractomètre. Ce qu'on veut, c'est que notre réfractomètre, quand c'est dans de l'eau, sans sucre en fait, ça soit à zéro. Donc, pour calibrer, c'est très simple. Vous le trempez votre réfractomètre dans l'eau. Vous assurez qu'il n'y a plus de bulles d'air. Il peut y en avoir une petite, mais essayez de faire en sorte que ça soit vraiment recouvert de liquide à l'intérieur. Ensuite, vous mettez votre réfractomètre à votre œil nu, à la lumière. Et là, vous pouvez le régler, tourner un petit peu dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à ce que vous arriviez au niveau du zéro. Et voilà, votre réfractomètre est calibré. Essayez de faire en sorte que le liquide que vous avez mesuré est à température pièce, pas trop froid, pas trop chaud, sinon ça peut jouer un petit peu, même s'il est ATC, il est fait de la correction au niveau des températures, c'est pas l'idéal. Donc essayez d'avoir un liquide qui est proche de la température de votre eau et de la température ambiante. Une fois que c'est fait, là, il y a deux techniques. Soit on utilise la petite pipette, donc on ouvre ce petit clapet, on prend une petite pipette, on prend un petit peu du liquide qu'on pose sur le dessus, mais ça ne marche pas tout le temps bien parce qu'en fait, le liquide s'en va. Il tombe un petit peu. Mais vous pouvez essayer quand même. Tac. Et là, vous le posez. Et comme tout à l'heure, le but, c'est qu'il n'y ait pas de bulle d'air et qu'on voit vraiment bien le liquide. Et ensuite, on mesure. L'autre technique que moi je préfère, c'est tout simplement, après avoir bien rincé votre réfractomètre, c'est très important, si vous voulez vraiment être très perfectionniste, prenez de l'eau distillée, mais de l'eau du robinet généralement fonctionne bien pour les usages de la maison, mais si vous êtes dans un laboratoire, vous ferez des choses bien plus complexes. Donc là, vous le trempez directement dans le liquide, et ce qu'on fait, c'est qu'on le recouvre directement, et là, on tapote un petit peu dessus. Au besoin, on recommence si ce n'est pas parfait. Là, c'est vraiment parfait. Il n'y a plus aucune bulle d'air. Et là, on peut regarder et on peut lire notre niveau. Vous allez voir, ça montre exactement avec une ligne bleue le taux de sucre à l'intérieur. C'est vraiment très, très facile. Après ça, vous rincez bien votre réfractomètre. Avant de le ranger, je vais le rincer avec de l'eau propre. Et ensuite, c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, puis à partager cette vidéo à vos amis, puis abonnez-vous. Bonne fermentation !